Donc moi vraiment ce que je vois c'est un influenceur qui collabore avec une marque de fast fashion et qui pour essayer de faire passer les choses dit non mais je veux casser les codes, machin, je suis très content, je suis très honoré, etc. Hey, salut mes CZNVet, ça va? Bien évidemment, vous l'aurez compris, je ne peux pas passer 2 semaines sans ouvrir ma gueule et parler d'absolument tout ce que font les influenceurs ou les personnes autour de moi ou n'importe quel utilisateur des réseaux sociaux. Non, et puis en vrai, plus sérieusement, la fast fashion ou la consommation en général, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai arrêté la fast fashion mi-septembre, un truc comme ça, et depuis, je ne consomme plus de fast fashion. Et j'essaye en général de faire attention à ma consommation au-delà des vêtements. Ok, non, je vais fermer cette fenêtre parce que là, elle me casse les couilles. Il y a 2 jours, je me suis levé à 18h. Casse-toi, je me tape des moustiques. J'arrive, j'arrive. On parlera de Shein, de Boo, de PLT, de quelques placements de produits qui m'ont quelque peu tendu. Après, qu'est-ce qui ne me tend pas? On peut se poser la question aussi, c'est vrai. Donc on se retrouve avec la suite. Non, non, ouais, il va me mettre un procès, ouais. Bon, évidemment, on va passer les disclaimers en mode oui, je ne suis pas parfait dans ma consommation, etc. On s'en bat les couilles. Je ne suis pas parfait dans ma consommation, personne ne l'est. Mais surtout, hypothétiquement, si vraiment j'avais une consommation parfaite, ça me donne pas plus le droit de critiquer les gens sur YouTube ou de faire cette vidéo. Je fais juste cette vidéo parce qu'il y a des choses qui m'énervent et j'ai envie aussi de débattre un petit peu. Voilà. Moi, j'ai envie qu'on débatte en commentaire. De toute façon, vous le savez, je réponds à beaucoup de commentaires parce que j'adore ça. Donc voilà, donc si vous voulez débattre, etc., même si vous voulez m'insulter parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, en soi, bah, tu participes à mon référencement, pourquoi pas, hein, insulte-moi au final. Non, parce qu'il y a encore des commentaires homophobes, genre en mode ah, gros PD. J'ai peut-être compris tout seul, tu vois, que j'étais homosexuel. Mais merci, en tout cas, de me le rappeler. Enfin, j'adorerais faire du tricot. Le crochet, c'est ce qui m'intéresse le plus en vrai. Parce que pendant un moment, j'étais dans le crochet TikTok. Et ça m'a super, ça m'a grave plu, bref. C'est complètement con cette question, quel est le rapport avec les produits de beauté? L'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Voilà, juste comme ça. Pour ceux qui par exemple ne connaissent pas le terme fast fashion, écoutez, je suis là pour ça, enfin en vrai j'ai pris sur Wikipédia. La fast fashion est un segment de l'industrie vestimentaire qui se caractérise par le renouvellement très rapide des vêtements proposés à la vente, plusieurs fois par saison, voire plusieurs fois par mois. Et là je rebondis avec un exemple, Zara fait 24 collections par an. 24 collections par an, ça fait 2 collections par mois. Ouais, le calcul mental, c'est quelque chose. Bon, en dehors de ça, Zara a beaucoup de problèmes, voilà, notamment des collections qui font littéralement de l'appropriation culturelle. Vous pensez bien qu'on va commencer par l'influence et la fast fashion, puisque j'ai énormément de choses à dire. Parce que, en vrai de vrai, depuis que j'ai arrêté la fast fashion en mi-septembre, j'ai fait 4 mois de vidéo. Ensuite, j'ai eu une pause de 4 mois où aussi je voulais mourir. Ensuite, j'ai repris. Ensuite, j'ai refait une pause de 1 mois. Donc, au final, j'ai fermé trop ma gueule et j'ai accumulé plein de trucs que je voulais dire. Je vais déblatérer, ça va être un TED Talk. En fait, là, bienvenue dans mon TED Talk. Voilà, je parle de la branlette intellectuelle. Hein. Là, je vais juste lâcher des trucs que j'ai envie de dire. Des trucs avec des mots un petit peu compliqués parce que voilà. Oui, parce qu'ici, on veut impressionner les gens avec pas grand chose au final. Mais en vrai, j'ai pas mal de choses à dire sur les influenceurs et la fast fashion et juste faire la promotion au quotidien. Notamment, évidemment, Pretty Little Thing, enfin PLT, Ocean's Apart. Il y a énormément de marques qui reviennent. Asos aussi, YesStyle, comme j'ai pu le faire. Enfin, j'ai pu le faire avec Asos et YesStyle. Sans oublier AliExpress. Enfin, en gros, la promotion de fast fashion en général. Déjà, de mon point de vue, même si on s'encarre, je trouve qu'un influenceur qui a un minimum d'abonnés. En fait, je trouve ça limite de faire la promotion de fast fashion. Prenons l'exemple de Léna Situation qui a sur Instagram, je sais pas combien d'abonnés elle a, mais ça doit être énorme, genre 2 ou 3 millions d'abonnés. Quand tu as le privilège et quand tu as l'argent de pouvoir t'acheter des vêtements de toute marque et quand tu portes au quotidien beaucoup de vêtements ou d'accessoires qui coûtent beaucoup d'argent, mais surtout quand tu as énormément de partenariats en dehors de ça et que tu as plein d'offres de partenariats, étant donné que tu es l'une des plus grosses youtubeuses françaises, même si j'en conviens que les chèques doivent être assez gros, mais surtout quand certains influenceurs se justifient de collaborer avec telle ou telle marque en disant oui mais il y en a qui sont contents d'avoir des codes promo, mais les codes promo bout pendant un moment, je sais pas vous hein, mais j'en voyais tous les jours sur Instagram en story, c'était plus possible, je ne pouvais plus respirer sans avoir des codes bout. Les bout, les PLT, c'était tout le temps. Oui, parce que pour ceux qui le savent pas, PLT, bout ou, donc quand je dis PLT c'est Pretty Little Thing, bout ou Nastigal, et je crois une quatrième, je sais plus s'il y a une quatrième marque ou pas, mais c'est le même groupe. Mais il y a plein de reportages qui montrent l'horreur qu'est la fast fashion et l'industrie textile en général. Évidemment, j'ai pris l'exemple de Léna Situation puisque c'est la plus grosse youtubeuse française à l'heure actuelle, donc je prends son exemple, mais il y en a énormément qui promouvoient Boohoo. Moi-même, Boohoo m'ont contacté plusieurs fois par mail pour savoir si j'étais intéressé pour un partenariat. Et donc oui, je trouve ça moyen quand on a la possibilité de choisir entre une marque de fast fashion ou collaborer avec une application pour apprendre des langues. Enfin, il y a tellement de partenariats différents. Comment ça s'appelle? Les VPN, par exemple, NordVPN, ils ont sponsorisé tout YouTube. Ben, ça, en soi, tu peux le faire. Enfin bref, ça c'est quelque chose qui m'énerve. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Ils peuvent très bien continuer à collaborer avec des marques de fast fashion. Et je vais un petit peu appuyer mon exemple avec notamment Antonin qui a fait une vidéo promotionnelle pour PLT. Là-dessus, j'ai honnêtement beaucoup de choses à dire, mais ne pensez pas que c'est personnel envers Antonin, puisque en soi, Antonin c'est quelqu'un que j'aime bien, j'ai rencontré plusieurs fois. Bon, on n'est pas forcément amis, mais voilà, on se connaît. Juste, j'ai un souci. En gros, il a sorti sur sa chaîne YouTube une vidéo promotionnelle pour PLT dans laquelle il portait du PLT. Franchement, il y a eu du budget dans la vidéo, la vidéo est super bien faite, c'est pas ça le souci. Je pense qu'il a pris un chèque et c'est super bien pour lui. Enfin, c'est pas je pense, c'est oui, il a pris un chèque pour ça, c'est super bien pour lui, je suis très content. Mais donc, la vidéo s'appelle Antonin X Pretty Little Thing, le premier qui se fout de la gueule de mon accent. Je le comprendrais, mais je te bloque.
Donc la vidéo est sortie il y a un mois, mais c'est pas ça qui me chagrine, c'est la barre d'infos. J'arrive pas à y croire, quand j'ai su que PLT me voulait pour promouvoir la marque, j'ai cru halluciner. Jamais j'aurais cru pouvoir représenter une marque de vêtements censée être destinée aux femmes, et je suis tellement ému que ma vision ait été écoutée et que ça casse les codes chez une aussi grosse enseigne. N'écoute jamais les personnes qui te disent que tu ne devrais pas porter tel ou tel vêtement, que ça ne te va pas, que t'es bizarre. Fais ce qu'il te plaît, sois toi-même et le reste suivra. Love you babes. En soi, je suis d'accord avec lui, c'est vrai, porte ce que tu veux, les vêtements n'ont pas de genre. Et c'est très bien de casser les codes, c'est très bien de porter ce que tu veux, c'est très bien de t'écouter. Par contre, stop. Alors que lui-même va dire que Pretty Little Thing c'est une marque destinée aux femmes. Donc déjà ça je trouve ça bizarre. Et ensuite il a fait une vidéo, je vous révèle tout, où justement il parle de PLT, il parle du fait d'être fier, d'être l'un des premiers ambassadeurs hommes à part les drag queens de PLT. Encore une fois c'est très bien, félicitations à toi. Évidemment je ne sais pas si c'est PLT ou Antonin lui-même qui veut absolument appuyer l'accent de casser les codes, de collaborer avec PLT, qui est une marque selon lui destinée aux femmes. Moi ce que je vois là c'est un influenceur qui collabore avec une marque de fast fashion qui s'en est pris plein la gueule et c'est mérité puisque PLT encore une fois je le rappelle, au-delà de la pollution, au-delà d'être une marque de fast fashion et une des marques emblématiques de la fast fashion, c'est une marque qui s'est fait choper sa veste à cause des conditions de leurs ouvriers. Donc moi vraiment ce que je vois c'est un influenceur qui collabore avec une marque de fast fashion et qui pour essayer de faire passer les choses dit non mais je veux casser les codes, machin, je suis très content, je suis très honoré, etc. Mais surtout je cherche absolument pas à faire un procès d'intention à Antonin et je cherche pas à lui apporter de la haine ou à ce que vous alliez l'harceler. Moi c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu la collab, appuyer sur le truc de casser les codes, parce qu'en soi tu peux casser les codes sans faire une collab avec une marque qui appartient à un groupe qui fait de la merde, genre vraiment. Et c'est juste ça qui me dérange. Et donc évidemment il y a pas mal de personnes dans les commentaires de la vidéo promotionnelle pour PLT qui ont commenté au niveau de la fast fashion, etc. Et moi ça me pose problème parce que c'est pas personnel envers Antonin. Et je sais pas si c'est PLT qui a demandé à mettre absolument en avant le fait de casser les codes. Mais quand tu dis vouloir casser les codes mais que toi-même tu vas te dire que PLT est une marque destinée aux femmes, il y a quelque chose que je comprends pas. Et surtout moi je vois juste ça comme une stratégie pour éviter de te faire choper ta veste sur le fait de collaborer avec une marque de fast fashion, puisqu'en ce moment c'est vrai que les gens sont de plus en plus informés. Les gens en ont marre en fait. Premièrement, je tiens à vous dire qu'on est crevés. Et moi ça me pose particulièrement problème puisqu'on rentre dans cette dynamique où les marques vont juste faire du greenwashing, du pinkwashing. Les marques vont se servir de lutte comme le féminisme ou de vécu de personnes, les collections Pride, alors qu'il n'y a rien qui reverse aux associations, il n'y a rien, on vous entend pas ouvrir vos bouches sur les LGBT toute l'année. Par contre, au moins Dior, on va quand même faire une collection Pride parce que bon, c'est pédé, il faut qu'il nous rapporte de l'argent quoi. Bon après moi j'ai déjà collaboré avec Calvin Klein sur en plus une, je crois une collection Pride où fallait mettre l'accent sur moi j'avais choisi le coming out parce que bon bah rappelons-le, j'ai chialé sur YouTube. Mais bref, et ça me pose vraiment un problème puisque avant j'étais bête et puis pas informée et surtout je me rendais pas compte qu'en fait on servait littéralement de moi, enfin de moi et de mon orientation sexuelle pour vendre des vêtements horribles pour la plupart. Non mais il faut le dire aussi, il y a un moment les collections Pride sont immondes. Je veux dire moi je préfère voir un tote bag arc-en-ciel que je trouve trop mimes et en plus quand je vois dans la rue des gens avec des tote bags arc-en-ciel je me dis ah moi aussi. Mais les collections Pride sont immondes en fait à chaque fois. Mais surtout c'est un réel problème et le greenwashing notamment. Et je vous invite Is Now Good, donc c'est une youtubeuse et elle a fait une vidéo sur Ocean's Apart que je vous conseille vivement d'aller voir, qui est super intéressante, où elle démontrait totalement le greenwashing de Ocean's Apart. Et d'ailleurs à cela je vais rebondir surtout sur le fait que par exemple Andre Phoenix, il me semble qu'elle en avait parlé dans un de ses vlogs, je saurais pas vous le retrouver, mais elle disait qu'elle mettait un terme pour l'instant à son contrat avec Ocean's Apart parce que justement elle voulait beaucoup plus de transparence et qu'il fallait qu'il s'explique sur ce greenwashing. Après à côté elle a fait Honest Mind qui est une marque qui il me semble est faite au Bangladesh, etc. Donc bon, une marque en plus il me semble qui s'autoproclame éthique, enfin bref. Et maintenant je reçois des grands mails avec marqué marque éthique ou des bails comme ça en vraiment en titre de mail. Mais est-ce que je pourrais avoir plus d'informations sur ce point là ou ce point là? Non. Non. Plus de réponses. Silence radio. Une marque qui se dit éthique, respectueuse de l'environnement, slow fashion, etc. qui veut se faire promouvoir par un influenceur. Enfin, se faire promouvoir, je trouve pas ça bizarre. Mais par exemple, Ocean's Apart, qui se dit marque éthique, qui fait du greenwashing. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de Is Now Good. Mais qui, par exemple, bah, va faire énormément de collections par an. Plus, va utiliser les codes promo notamment pour faire plus vendre, etc. Bizarre. Un petit peu. Et surtout mon problème c'est que le terme éthique c'est un terme niche. C'est un terme qui veut tout dire et rien dire. Parce que tu peux te dire marque éthique. Un influenceur quand il va faire sa story va dire salut alors je vous présente une marque éthique. Certes, maintenant donne-moi les informations. Et par exemple Marion Caméléon en a parlé quand elle a crash testé Zara Beauty. Et donc elle disait que dans le PR package, enfin le colis qu'elle a reçu de la marque quoi, il y avait marqué en mode marque vegan, cruelty free, un truc comme ça. Et en fait elle disait dans la vidéo, au-delà du fait que ça devrait pas être un argument de vente, déjà de base, le fait d'être vegan ou cruelty free, enfin ne pas faire souffrir les animaux, ça devrait pas être un argument de vente en fait, ça devrait juste être normal. Mais elle a essayé de chercher plus d'informations et on n'a pas trouvé par exemple. Sortez-moi les labels. Mais encore une fois, Is No Good dans sa vidéo sur Ocean's Apart, il me semble, elle expliquait que certains labels ça voulait rien dire, c'était juste de la décoration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je reçois des mails avec marque éthique et quand je leur demande, ça me lâche des vues parce que évidemment, t'es pas une marque éthique. Et donc pour l'instant, je me sens pas à l'aise à faire des
partenariats avec des trucs pour vous vendre des choses. Je sais pas comment expliquer ça. Mais même au-delà de ça, voilà, si je peux essayer de faire des partenariats, parce que bah moi aussi, bah, c'est cool d'avoir des chèques. Et là, mon dernier partenariat remonte à décembre, je crois. Donc ce serait cool d'avoir des chèques. Mais en soi, pour l'instant, je me sens pas assez à l'aise pour faire la promotion de consommer un bien matériel, en tout cas. Mais bref, de toute façon, j'ai grave divagué dans cette vidéo. Hein. Désolé. Et je pense qu'en vrai j'ai oublié de dire que quand je dis que les influenceurs ça me dérange, en tout cas quand tu peux choisir et quand tu peux trier tes contrats, ça me dérange qu'ils fassent la promotion de fast fashion, c'est pas dans leur consommation personnelle. Je veux dire, si tu veux acheter de la fast fashion, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais je trouve ça juste bancal, et encore une fois c'est uniquement mon avis, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas parce que je dis ça que Lena Situation va demain arrêter son contrat avec Boo, tu vois. 2021 c'est vraiment l'année de l'arrêt des hauls sur YouTube, en tout cas, enfin je vais m'expliquer, des genres des hauls Boo, des PLT, des hauls Zara, etc. En tout cas pour les plus gros youtubeurs, parce que maintenant tout le monde en va souligner le fait que c'est de la fast fashion. Après, en dehors de ça, moi, ça, ce sont mes propos. Mais quand Marine LB sortait encore des hauls Boo il y a 6 mois, je l'ai regardé. Et au-delà de ça, surtout, je pense que le plus important, c'est que je préfère un youtubeur qui ne parle pas de fast fashion, qui ne va pas partager des posts en story en mode free Uyghur, et qu'après, 2 semaines après, ils reviennent avec un truc, une collab avec Calvin Klein ou Boo ou Asos. Je préfère un youtubeur qui se tait, qui n'en parle pas, que des influenceurs qui vont partager des grands posts, qui vont mettre des pépés bleus quand j'avais le scandale des Uyghurs. Mais qui par contre par la suite vont quand même continuer à promouvoir tout. C'est juste de l'activisme performatif. L'activisme performatif est un concept qui consiste à faussement militer pour accroître son capital social et se faire bien voir, plutôt que de véritablement soutenir la cause en question. Bah notamment moi en septembre, j'avais partagé en story donc plusieurs textes pour expliquer ce que c'était Free Uyghur, etc. Parce que bah comme j'ai une plateforme, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise. Mais 2-3 jours après, j'ai posté un Reels sur un haut Zara que j'avais acheté. D'ailleurs je crois que c'est la dernière chose que j'ai acheté en magasin, enfin de fast fashion. En gros, Zara avait dit arrêter d'exploiter les Ouïghours, mais en fait ils avaient juste menti, et en fait juste, enfin voilà, je m'en suis arrêté là, et après je suis quand même allé acheter un Ouazara parce que je l'aimais bien. Et c'est aussi ça qui m'a fait prendre conscience que bah en fait ma consommation ça allait pas, et que moi ça m'allait plus, et que je voulais changer. Et maintenant passons au deuxième grand point de cette vidéo, c'est l'hypocrisie sur la consommation des gens et aussi la fast fashion, etc. Je vais m'expliquer, parce qu'avant je parlais des influenceurs et de la promotion des marques de fast fashion, mais maintenant on va plus rentrer dans le vif du sujet, cette hypocrisie des réseaux sociaux. Et encore une fois, n'oubliez pas que c'est un débat, n'hésitez pas en commentaire. Et je dis pas ça pour améliorer mon référent, même si bon, c'est sympa aussi. En fait, je trouve qu'on s'écarte vachement du sujet principal qu'est la surconsommation en général. Par exemple, si tu surconsommes de la fast fashion, tu te dis tiens, putain, ça me fait chier, je vais passer à la seconde main. Mais tu vas surconsommer aussi en seconde main. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter 300 euros en fast fashion, tu vas acheter tous les mois 300 euros en seconde main. Le vrai problème là-dedans, c'est que alors certes, tu pollues entre guillemets moins, et c'est des vêtements qui ont déjà été fabriqués, etc. Et c'est des vêtements qui font partie d'un cycle de seconde main où tu vas l'acheter, après tu vas le revendre et machin. C'est super bien. Mais le réel problème, c'est la surconsommation au final. Et là, je sais très bien quand même dire oui, mais oui, il y en a qui sont grave intéressés par la mode, etc. Je suis d'accord. Mais il y a une différence entre être intéressé par la mode et juste acheter des vêtements tous les deux jours. Avant, j'achetais tout le temps sur Asos. J'avais aussi à la fin, Asos m'envoyait des choses gratuitement. J'avais YesStyle qui m'envoyait 300 euros vêtements tous les mois. Mais même moi, j'étais un énorme consommateur de fast fashion. J'en achetais vraiment tout le temps. Pour autant, j'ai 90% de ma garde-robe, je ne la mettais jamais. Elle était vraiment dans mon dressing, mais je ne la touchais pas. Mais c'est pas ça aimer la mode. Aimer la mode, c'est pas surconsommer. Donc en soi, moi-même, je me disais que j'aimais la mode et que machin, donc je consommais beaucoup. Que de la bite, c'est faux, c'est faux. Oui, j'adorais les vêtements, et j'aime toujours les vêtements, tu vois, j'aime bien m'habiller, etc. Juste, c'est pas une raison. Je veux dire, je peux carrément consommer de la seconde main, et consommer quand j'en ai besoin. Tu peux toujours consommer quand t'en as envie, parce que ici, je suis pas la police, et tu fais ce que tu veux. Mais juste, je trouve qu'avec ces débats sans fin sur la fast fashion, on en oublie vraiment le réel fond du problème, c'est la surconsommation en général, puisque sur TikTok notamment, il y a plein de TikTokers qui sont spécialisés dans les hauls vintage notamment. Genre, ils font des hauls vintage tous les deux jours. Rien contre eux personnellement, et c'est... Enfin, c'est très bien. Et eux-mêmes vont parler de seconde main, ils vont faire la promotion de ça. Certes, mais toi aussi, tu surconsommes quoi qu'il arrive, en fait. Alors oui, c'est différent que quelqu'un qui va acheter 200 euros de Chine tous les mois, mais tu vas quand même surconsommer à la fin. Personne n'a l'utilité d'autant de vêtements. Mon but, c'est absolument pas d'être un moralisateur et de vous dire « Oui, arrêtez de consommer et tout. » Depuis quelques temps, les gens vont essayer de te choper ta veste sur ta consommation uniquement pour choper ta veste. C'est pas de l'activisme, ou c'est même pas pour essayer de te donner des informations que tu n'as peut-être pas sur la fast fashion. Alors oui, mais avant de faire ce genre de commentaires, assure-toi de tes privilèges. T'es pas forcément sûr de trouver ta taille, ou t'es pas forcément sûr que le produit va t'aller, cette personne n'a peut-être pas accès à la seconde main, ou parce qu'elle n'a pas de friperie à côté de chez elle. Faut pas oublier qu'en vrai, consommer de la seconde main, c'est du temps, et c'est pas forcément accessible à tout le monde. Déjà, parlons de la gentrification des friperies, les Mad Vintage, les Kilo Shop, même moi j'y vais à Kilo Shop par exemple, hein, mais où il y a des pulls à 30 euros, des jeans à 45 euros. Enfin bref, la hausse des prix des friperies en général. Mais moi, vraiment, ce qui m'embête, c'est l'interrogation constante sur la consommation des gens sur les réseaux sociaux. J'ai racheté un téléphone neuf, bah parce que j'en avais besoin. Ouais, toi qui a mal parlé de Boo et tout, t'as un iPhone.
Ouais. Hé, laisse-moi tranquille, dégage. Alors oui, je suis totalement d'accord, puisque dans nos téléphones, dans nos ordi, bah, même déjà de base la batterie, c'est extrêmement polluant, c'est des ouvriers qui sont sous-payés, et souvent très très jeunes d'ailleurs, qui vont chercher ça dans des recoins et tout. Je suis d'accord totalement. Mais tu ne peux pas comparer la consommation de produits techniques avec la consommation de textiles. C'est... Ça n'a pas de sens. Est-ce que j'achète des téléphones tous les jours? Non. Et surtout, encore une fois, tu me proposes quoi? Je vous mettrai Cache Investigation en question parce qu'il est très intéressant et j'ai adoré. Et Lise Lucet ici. Par exemple, il y a le reconditionné. J'ai plein d'amis qui ont de très bonnes expériences avec le reconditionné. Par contre, j'ai aussi plein d'amis qui ont des expériences avec le reconditionné en mode ils doivent acheter un téléphone par an parce qu'à chaque fois ça les lâche. Le reconditionné qui est presque plus cher qu'un achat en boutique si tu prends un forfait avec le téléphone. Et au-delà de ça, occupe-toi de ta propre consommation. Alors après, attention, hein, c'est bien de prêcher la bonne parole entre guillemets. Enfin, moi par exemple, j'ai plein de potes qui consomment encore de la fast fashion. Je vais pas là à leur dire à chaque nouvel achat, mais t'as pas honte. Notamment pour les personnes qui s'habillent avec des grandes tailles et quand des petits cons, parce que c'est le terme, hein, qui vont en friperie, qui font taille 38, qui sont super heureux de te montrer ça sur TikTok en mode ah regardez j'ai pris un jean en taille 48 et du coup ah bah c'est drôle c'est un baggy. Ouais mais sauf que là tu coupes l'accès à des gens qui n'ont pas forcément déjà les moyens de s'habiller en fast fashion, parce que la fast fashion, encore une fois, l'argument du prix, quand tu vas acheter tes vêtements à Zara ou quand tu vas acheter des vêtements à Nike, me dis pas que tu consommes la fast fashion parce que c'est moins cher, parce que là tu consommes des marques qui sont chères. Mais bref, certes il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont pas le choix de commander sur Shein, faire une commande tous les 6 mois parce que bah ils ont plus de vêtements. Mais oui, donc il y a des gens qui n'ont vraiment pas l'argent pour consommer mieux ou pour même se poser des questions de consommer mieux parce que bah déjà ils ont d'autres problèmes dans la vie, bah, il faut arrêter d'aller en friperie, de prendre des tailles qui ne sont pas les vôtres. Alors je veux bien qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec leur rapport à leur corps, moi-même j'ai des problèmes avec mon corps, mais pour autant je vais pas acheter des vêtements de 10 tailles de plus que moi, tu vois. Je pense que pour résumer un petit peu toute cette vidéo et les principaux axes que j'ai abordés, c'est que les influenceurs qui promouvoient la fast fashion, ça me dérange beaucoup puisqu'il y a plein d'autres choses que tu peux promouvoir au-delà de ça. Après, encore une fois, que toi tu consommes personnellement de la fast fashion, c'est pas mon problème, j'en ai personnellement rien à foutre. Mais aussi les marques soi-disant éthiques, etc., sans label, sans rien, doucement. Kevin a 20 ans. Il vient de terminer son année en école de commerce. Mais surtout l'hypocrisie maintenant des réseaux sociaux où tout le monde va s'interroger sur la consommation d'autrui plutôt que de t'occuper de ta consommation personnelle. Parce que moi-même, quand j'ai arrêté la fast fashion au départ, j'étais un peu en mode faut que tout le monde arrête la fast fashion, machin machin. Et après je me suis dit mais attends Louis, tu dis ça parce que t'es un petit connard de merde privilégié qui de toute façon a eu des vêtements, plein de vêtements gratuits, qui peut se permettre de s'acheter autre chose que de la fast fashion, qui a des friperies à côté de chez toi. Et surtout j'ai accumulé énormément de vêtements avant. J'ai dû faire 2 ou 3 tri Vinted pour avoir uniquement des vêtements que je mettais dans la vie de tous les jours, pour n'avoir plus que ça. Donc voilà, juste je peux comprendre quand tu t'intéresses à la fast fashion et l'industrie textile en général, que t'aies envie que tout le monde arrête de consommer de la fast fashion, et c'est pas possible. En tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un gros pouce bleu, c'est comme vous voulez, un commentaire de référencement bah, pour référencer cette vidéo, donc bah, c'est cool aussi, merci beaucoup. Et surtout, bah, encore une fois, merci d'avoir été là. Si vous voulez débattre avec moi en commentaire, je suis chaud. Cette vidéo, c'est vraiment juste parce que j'avais plein de choses à dire et je savais pas comment le dire en une vidéo, donc j'ai essayé de pipoter un peu des axes, tout ça, pour que la vidéo soit un minimum construite. J'espère qu'au montage ce sera le cas. Non, non, non. Non, t'étais pas clair, enculé. Non, je divaguais trop en fait. Voilà, ça c'est pour toi, Louis, du tournage, parce que tu saoules. Gros bisous. Et puis écoutez, je vais fermer ma gorge parce que là, j'ai quand même beaucoup parlé. Donc merci beaucoup de regarder ma vidéo. Merci de. Merci, juste merci. Je vous aime trop. Et puis bah écoutez, gros bisous. Salut. Bonne tisane. Bisous. Et puis bon dimanche surtout. Bisous.